Hare Krishna, chers amis, il m'a été demandé à quelques reprises comment nous plaçons le signe au front, le signe divin, que nous appelons le tilak. C'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Nous avons besoin de deux choses. Premièrement, nous avons besoin de la terre sainte qui vient de l'Inde. Aussi, nous avons à l'intérieur un petit peu d'eau pour la rendre humide. Et nous avons besoin aussi d'un miroir. Nous devons mettre notre doigt dans la terre, qui est un petit peu avec de l'eau, bien entendu, et nous en mettons suffisamment sur le doigt. Pas mal. Et lorsque c'est fait, bien, nous prenons le miroir et nous plaçons un genre de petite feuille. On dit que c'est une petite feuille de tulasi. Nous en mettons beaucoup. Et nous retournons à la terre pour faire l'autre partie. Faut en mettre plus. C'est une question de pratique. Hein? Au fur, il est certain que les premiers signes que vous allez faire au front, les premiers tilak, ils n'en sont pas tellement beaux, mais avec le temps, ça devient vraiment bien. Et nous continuons. Nous faisons un genre de V. Nous faisons un V, pas un genre de V, mais vraiment un V, qui représente V pour Vishnu. On peut rajouter un petit peu de terre sur la... Et voilà, mesdames et messieurs, tout est en place. Allez, Krishna. Il m'a été demandé aussi dernièrement comment on jouait les kartals. En fait, les kartals, ce sont les petites cymbales qu'on utilise lors des chants, spécialement du chant du Mahamantra Hare Krishna, et aussi tout autre chant. En fait, on roule en entour. Il est toujours mieux, en fait, au départ, c'est toujours mieux d'utiliser un ruban qu'une corde. Parce qu'un ruban ne rentre pas dans la peau du doigt. Et puis, on tourne la kartal en entour de notre doigt. Le ruban, c'est-à-dire, et la même chose pour l'autre aussi. Et puis on chante trois petits coups. Là, on donne trois petits coups. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Habituellement, le chanteur principal chante une fois le Maha Mantra et le groupe répond en chœur. Voilà, mesdames et messieurs, pour la chronique de cette semaine. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour une autre aventure. Et n'oubliez pas, chantez Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et votre vie deviendra sublime. Hare Krishna!